Les poumons sont les principaux organes de l'appareil respiratoire. Ils ont l'apparence d'une éponge et sont divisés en lobes. Alors que le poumon droit est formé de 3 lobes, le poumon gauche n'en possède que 2 en raison de la position du cœur située du côté gauche du corps. Pendant la respiration, l'air pénètre par le nez, descend le long de la trachée jusque dans les bronches. Les bronches se divisent en bronchioles plus étroites, puis en rameaux de plus en plus petits qui se terminent par des sacs minuscules dénommés alvéoles. C'est dans les alvéoles que s'effectuent les échanges gazeux, oxygène, dioxyde de carbone avec le sang. La plupart des changements cancéreux se produisent dans les poumons longtemps avant l'apparition de symptômes. Il existe de nombreux types de cancers du poumon, mais le plus courant est le carcinome bronchogénique, qui commence sous la forme d'une tumeur dans la paroi des bronches. Un cancer du poumon peut également être présent dans la trachée, les bronchioles ou les alvéoles. Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer dans les deux sexes. Toutefois, selon une perspective des plus inquiétantes, le nombre de décès par cancer du poumon chez la femme sera supérieur au nombre de décès par cancer du sein. Le tabagisme constitue le principal facteur de risque associé au cancer du poumon.